et c'est parti. Un petit groupe de plus ou moins 20 élèves sur ce cross de mercredi après-midi. Cette année, on a choisi de ne pas faire un cross comme d'habitude, puisque d'habitude on fait ça le dernier vendredi avant les vacances de la Toussaint. Attention au pied des gazelles. Ouais, attention Pierre. Avec les conditions sanitaires qu'on nous impose, on a choisi de faire un cross plus réduit, avec uniquement les volontaires. Donc effectivement, on se retrouve avec beaucoup moins d'élèves. Pour nous, c'est toujours un événement très sympa pour les profs de PS. C'est les élèves qui sont volontaires, qui ont envie de faire les choses. Ils étaient là, hein, même si on n'avait pas le nombre, on avait la qualité en tout cas. Allez, partez ! Les catégories n'étaient pas représentées, mais ça a été quelque chose de très, très convivial, on peut dire presque un petit peu familial. C'est la famille de l'association sportive. Allez, c'est bien. Après, au niveau de l'organisation, c'est vrai que c'était plus simple, un peu moins de matériel à installer. Les services de la ville nous ont quand même fourni les ganivelles, on a juste eu à faire le parcours. Et derrière, la logistique était un petit peu moins importante. Allez, Angelina et Lucie, attention au pied des ganivelles. Bravo, Marie. Et son professeur, bien sûr. Je suis sûr, René, sans doute. Raphaël Le Bourdon.